Mention légale. Les textes, sons et musiques qui suivent sont la création exclusive et ont été déposés par l'auteur. Sur ce, bonne écoute. Sombre, mais ses yeux brillent encore d'une lueur d'espoir presque aussi visible que ses vêtements. Ses doigts tressautent, mouvement involontaire sûrement dû au manque. Encore un qui n'a pas su résister. Il lui a fallu goûter à ce fruit défendu que ses clients s'arrachent avant d'arracher les viscères des autres, quand ce ne sont pas les leurs propres. Au fond, c'est toujours une histoire de vengeance, pas vrai? Dans l'ombre, tu as un sursaut d'égout. Tu peux reconnaître leurs vices et leurs symptômes. Plaques rouges et eczéma à la drague. Les yeux dans tous les sens et perte d'audition. TXH. Un océan de merde dans lequel les suées, tremblements de l'alcoolisme et l'atout du tabac font pâle figure. Mais même eux, illégaux depuis... Quand juste? Ah, le deck web te dit qu'ils sont illégaux, comme la drague, comme le TXH, comme la haine. Donc ils doivent l'être. Ce qui ne les empêche pas d'être en vente libre. Et en même temps, pourquoi pas? De moindres mots dans un monde submergé de merde. De quoi dévier l'attention de l'accro lambda des vrais dangers, ceux qui vérolent la société. T'avais un beau regard bien naïf et plein de bons sentiments avant de devenir toi-même un accro. Avant ton accrochage. Maintenant, tout ça n'a plus d'importance. Alors compte. 1, 2, 3, 4. Les chiffres font du bien. Les nombres plus parce qu'ils sont plus compliqués. Te font oublier toute cette merde dans laquelle tu patauges. Mais ils ne te laisseront jamais oublier pourquoi tu y trempes, ni pour qui. C'est dans leur nature. 12, 13, 14, 15. Le regard du dealer. Putain, comment se fait-il que même arrivé à cet instant, ils aient toujours cet espoir, cette lumière dans les yeux qu'il trahit, qui n'est pas celle de l'addiction, ou si, l'illusion de l'espoir, l'addiction de l'humanité. Ils n'acceptent jamais, même au dernier moment. Tu sors de l'ombre. Il a eu assez de temps pour réfléchir. À quoi, tu sais pas. Sa vie, la fin dans le monde, sa situation et le moyen de s'en sortir. Bien. On reprend. Où tu chopes ta cargaison? Les yeux du dealer s'agrandissent. Bah, comme tout le monde, putain, chez Salto. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, mec, c'est lui qu'il faut chercher. Salto. Trop gros, pas intéressant. Aucun moyen pour moi de le toucher. Et même s'il crevait, quelqu'un prendrait sa place avec la même armée de crétins toujours intacte. Et t'en connais d'autres qui disent de la haine? Encore l'espoir. Donner Salto ne changeait rien pour lui, il le savait. Alors autant donner les copains. Ouais, sûr. J'ai plein d'infos sur les réseaux, sur qui fait quoi. L'échappée classique. Alors, tu sors un peu de l'ombre et tu t'assures que sous la lumière plongeante, il voit bien briller le chrome du gun. La haine seulement. DH8N4RC à Narcose. De Narcose à Narc. À N. À N. Sans doute pas la pire des cams. Juste celle qui a fait basculer ta vie. Il sait que dalle. Le gun contre la tempe, autant finir vite. La pitié. Voilà. Et ses yeux, toujours avec cette lueur, fixés sur quelque chose. Ta main, le bracelet. Ah!
Écoute, si t'es un flic, j'ai tas d'infos pour toi. Je connais les gens, tu vois. J'ai des trucs que t'imagines pas. Et de voilà parti dans la litanie des avantages que tu gagnes à l'épargner. Sauf qu'il sourit. Sauf qu'il sait qu'il a gagné. Et tant qu'il parle, c'est pas tes yeux qui le matent, mais le bracelet. Parce que j'ai accès à le putain de bracelet. Et il pense que t'es un flic ou un rival. Toujours il a un boniment. Même. À deux ou trois mots près. Je te jure, mec, tu peux me croire. Et là, il croit marquer des points. Mais tout ce qu'il fait, c'est gagner du temps. Alors que toi, tu commences à compter. Pour te calmer les nerfs. Tu verras, c'est tout Ta bénéfique. gueule! Là, il la ferme. Ses yeux font un bruit monstre à l'idée de tirer au bracelet. Sourire incertain, mais toujours la même lumière au fond des yeux. T'aimerais dire quelque chose avant, mais quoi? Ça fait un bail que les derniers mots et les vaches éraclures, tu les as épuisés. Autant finir. De la tempe au genou, ses yeux suivent le gun. Il comprend pas. La détonation est assourdissante, mais ici elle n'effraiera que les rats. Ses yeux. Regarde ses yeux. De la rotule encharpie aux deux boules de gélatine gonflées comme si elles cherchaient à sortir des orbites. Putain, mais t'avais dit. Ils comprennent jamais. Alors, pour la énième fois, tu lèves le bras et montres la diode, toujours calmement en train de biper, vert. Le gun contre le front. Il ne pige toujours pas. Regarde ses yeux. Essaye de rester humain. Il faut au moins ça, ouais. Puis, tu presses la détente, juste après avoir dit J'ai menti, tu vois? 1, 2, 3, 4, 5. Putain, le caddie! Les coursives, nuit. Saute par-dessus, mais garde les yeux sur le type. Derrière. Les vociférations de la vieille. Si ces mioches étaient sous la haine, elle me remercierait. Ne pas le perdre de vue. Une autre coursive, moins passante. Le con! Alors tu pousses et tu te dis qu'il faut pas grand-chose. Le type est un gringalet, il tiendra pas la distance. C'est pour ça qu'il te fout des obstacles. Alors tu pousses et tu oublies les millions de points de côté, oublie des points qui te martèlent. Tu traces le gun dans ta veste, ralentis chaque foulée. Tu t'en fous, t'accélères. La coursive sort sur une autre galerie marchande. Et jette un regard en arrière, grimace, et essaye d'accélérer encore. Deux étals dans ta voie. Il se met à renverser les passants. Tu t'écartes, tu sautes, tu te rapproches. Tu le sais, et il le sait. Tu le vois dans le blanc de ses yeux. Un dernier regard en arrière, grimace encore. Les casques d'aigle volent, les gens crient. Un Pékin hurle sous l'étagère. Tu t'en fous. Alors tu sautes sur l'étagère et tu prends appui dessus, la gueule serrée et le poing prêt à frapper qui se mettra dans ta route. Toute attention fixée sur le type et l'écoutille par laquelle il espère t'échapper dans toute cette cohue. Tu t'en fous. Ils n'ont pas le temps. À l'écoutille, dans les escaliers, on monte. 1, 2, 3, 4. 0. Les toits. Le soleil se lève. Au-dessus, le chrome de la ville supérieure réfléchit le vague éclat orange et lointain. Le deck est sur le sol. Inutile de regarder autour de toi. Le deck sonne. Alors, au beau milieu des toits vides, après une course qui t'a fait penser que tu perdais tes tripes, tu ravales ta salive, tu te penches et tu réponds. Ouais? Pourquoi t'as coursé mon coursier? J'étais pressé. Je pensais pas qu'il allait se tirer comme ça. Silence de l'autre côté. Alors, je dois baisser mon froc aussi? Reniflement de l'autre côté. Tu veux toujours faire affaire? Ouais, carrément. Un rire à l'autre bout. Pas sûr que t'aimes ça, mais alors pas sûr du tout. La voix met un temps avant de te revenir. T'en fais pas, je t'en veux pas. Garde le deck, je te rappelle dessus. Out. Piège, pas piège. De toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre?
chez toi, noyé devant le mur de pub en pub. Elle l'appelait le d'écran. Mais ça, c'était l'époque où tu regardais des vrais programmes. Maintenant, c'est les bagages Iron Hand, les pilules X. Toujours meilleur que les Y, clips, jeux, web shows, perso ou grosses émissions. Pas de web docs ou de news, merci. Den, est-ce que tu m'aimes encore? Ouais. Je réponds, mais je ne me retourne pas. Je sais ce qu'il y a là-bas. J'y suis déjà allé. Qu'est-ce que tu regardes? Elle le sait. Elle est dans la même pièce que moi et, même en fermant les yeux, elle ne peut pas ne pas entendre le son du deck mural. Juste les infos, bébé. Encore? Mais je sais qu'elle sourit. Elle le fait toujours. Et toujours, elle me dit... Tu sais très bien ce que c'est. Oui. Du divertissement et de la peur. De la diversion. Pour que les gens soient trop occupés pour réfléchir, oui. Je souris malgré le sujet. Pas tant pris par les mots que le jeu récurrent de compléter nos phrases. Je sens son souffle sur ma nuque alors qu'elle s'approche par derrière. Le glissement de ses doigts. De son bras lentement sur mon... Le deck te réveille. Tu mutes le mural et saisis le modèle de ce matin. Un moment, tu le laisses sonner et lèves presque les yeux vers l'angle où elle n'est pas. Où elle était. Avec ses cahiers et ses chiffres, ouais. Alice. Et le sang. Les coursives jouent. Le type au fond. Ça doit être lui. T'es resté un moment de l'autre côté de la coursive à guetter l'entrée de la boutique, mais à part l'occasionnelle mère de famille, personne. Et il a levé les yeux. Pas la peine de se demander s'il t'a vu. Il s'adresse à quelqu'un caché par les machines. Une grande femme, la trentaine, athlétique, plutôt jolie. Elle se lève et sort et s'éloigne dans la coursive. Pas le type du quartier. Pas le type dealer non plus. Plutôt le genre sécurité privée. Tu renifles. Dans la boutique, le gars a la tête baissée. Tu te retournes un moment, tu regardes ton deck. 15 minutes. L'effet est toujours là. 1, 2, 3, on y va. 4, 5, 6, l'angle de coursive à la porte. 7, 8, 9, le sas s'ouvre et tu traverses la pièce, tu t'arrêtes. 10, autour de vous, des machines à laver ronronnent doucement. Le type est assis sur un banc au fond. Soit il est jeune au trait marqué, soit plus vieux et bien conservé. Porte une sorte de costard froissé et ses cheveux ébouriffés sont parsemés de gris. Dans ses mains, des feuilles de papier et des cases qu'il remplit. Il enlève la tête. Derrière ses lunettes, les yeux brillent. Pas de drogue, juste de l'intelligence. Tu t'approches, mais c'est pas les yeux que tu regardes. Les lunettes ont l'air normales, mais qui en porte encore? Pas de cam apparente. Pas de trace d'un HUD intégré. Oui? Tête penchée, de côté, avec un mi-sourire poli. On m'a dit de venir ici. Bien sûr. Il hoche la tête. Je vous en prie. Désigne le banc face à lui, là où la femme devait être assise. Tu t'assieds. Il ôte ses lunettes et se frotte l'arête du nez. Les plis, les poses sur les papiers. Des cases blanches, des cases noires, des lettres dedans. Alice. Des mots croisés. Tu sursautes. Non, tu ne sursautes pas. L'effet est encore là et tu embrayes sans défaut. Il doit voler cher sur du vrai papier. Il hausse les épaules, mais son sourire trahit sa fausse modestie. Un de mes contacts a mis la main sur, disons, une certaine quantité d'anciens journaux de l'époque où il faisait dans l'analogique. C'est ce que vous faites? Procurer des choses? Encore une fois, ce demi-sourire. Dans ce coin. J'essaie de limiter ma sphère d'influence à une zone dans laquelle je peux maîtriser les éventuels dégâts, mais visiblement, je devrais simplement me mettre dans le bottin.
Le quoi? Rien. Un vieux livre. Une sorte de répertoire d'adresses. Show off, Noélo. Tu regardes avec ce demi-sourire agaçant qui donnerait envie de le frapper si ses yeux étincelaient seulement de la lueur de l'un ou l'autre. Ses yeux n'étincellent pas. Il te regarde, c'est tout. Peut-être qu'il voit. Il rompt la magie en grimaçant vers ses mots croisés. Je ne traite pas avec les gens des hauts quartiers. Je n'y ai pas de contact. Je n'ai pas de levier. Mais vous m'avez trouvé, je ne voudrais pas laisser un tel fait d'armes non récompensé. Il dit ça avec quelques gestes des mains, comme s'il voulait prouver quelque chose. Alors tu dis rien. Tu le laisses faire en attendant qu'il tranche dans le vif. Il le fait pas. Vous avez une définition en particulier? Essayez, drogue qui fait perdre son humanité. Il en met ses lunettes. Elles me font peur. Pas un micro-circuit apparent, alors ça doit être des vrais. Mais Alice en portait aussi. Du rétro, elle appelait ça. À une époque où un coup de laser te répare la cornée, se cramponner à... 5 lettres, je suppose. Et... vous n'avez pas le type. Il y a un type, junkie. Haussement d'épaule, évidemment. Ceux qui disent « je ne suis pas un junkie », maintenant... Le moment attendu. Mot croisé pose ses affaires sur le banc et se penche. Il sort un bracelet et le tend. Tu connais la procédure ? Tu connais la procédure. Tu enfiles le bracelet et tends le bras, paume vers le haut. La lumière clignote orange. Puis mot croisé te pose les 3 questions. Bon. Je vais te poser 2 questions, et aux 2, tu vas me répondre oui, compris? Oui. Ton nom, c'est Richard Nixon. Quoi? Oui ou non? Oui. À ton poignet, le bracelet bip. Mot croisé hoche la tête. Et ça, c'était la 2e question. Désolé du côté procédural, les vieux modèles ont besoin d'être initialisés. Il n'en pense pas un mot. Il sait que tu le sais. Mais son sourire dit formalité verbale, comme dire bonjour et demander à quelqu'un comme il va. Instance fatigue. Maintenant, est-ce que tu es un agent de sécurité ou fais-tu partie d'un conglomérat? Non. Est-ce que tu cherches d'une quelconque façon à me nuire, à nuire à mon business ou à celui de mes associés, qui et quel qu'il soit? Non, pas que je sache. Cette fois, son sourire est franc. J'aime les gens malins. N'essaie juste pas d'être plus que moi. À présent, une dernière formalité. Avant qu'on aille plus loin, sache que cet endroit est bourré d'informatique. Alors si t'as un émetteur, une puce quelconque, que ton deck est traqué, oublie, ça marchera pas. Une fois de plus, t'en crois pas un mot. Mais le gars est bon. Sans la dose que t'as prise avant de venir, t'aurais pu gober son boniment. Alors tu hoches la tête... et tu attends qu'il finisse. Bon, maintenant, si tu me disais ce qui t'amène. Je vous l'ai dit. Écoute, je ne sais pas qui t'a aiguillé vers moi, mais visiblement, il y a eu erreur. Je fais dans l'information, pas dans les drogues. Et même si je le faisais, un truc qui a même 10% de chance de changer son utilisateur en fou sanguinaire, ça ne m'intéresse pas. Je flinguerais ma clientèle en 1 semaine. Non mais, t'as vu ce que ce truc peut faire? Tu hoches la tête. Alice. Il n'a pas fini. Je connaissais ce type, un type intelligent, pas un loser, un artiste. C'est pas comme si on voyait souvent ça de nos jours. Il peignait, avec tout un tas de matériaux différents, et ce sujet était toujours très élaboré. Je ne saurais jamais comment il est tombé dessus. Je disais que ça l'aidait à réfléchir, il pensait mieux, plus vite, faisait des associations d'idées qu'il n'aurait jamais faites autrement. Ses yeux ne te quittent pas. Le demi-sourire n'est plus là. Tu sais qu'il y a un but à cette diatribe, et tu sais lequel. Soulaine a fait ses meilleurs tableaux, des œuvres dantesques et d'une intelligence rare, jusqu'à ce qu'il massacre sa famille et qu'il le mette en isolement. Pour le bien que ça lui a fait. Il n'a pas survécu 1 semaine avec ce qu'il s'est infligé. Alice. 1, 2, 3, 4. Alors je ne suis pas du genre à croire aux légendes urbaines, mais
Des bruits ont couru comme quoi l'armée avait fait des tests pour obtenir une drogue qui accroîtrait les facultés cognitives. Le résultat fut probant, mais 80% des sujets finissaient à plus ou moins long terme par sombrer dans la démence. Et comme pour tout, la privatisation est passée par là. Termine ton monologue, putain, 13, 14. J'ai même une personne une fois qui est venue me voir en cherchant un antidote, tu vois. Elle savait qu'elle pouvait pas continuer, mais dès qu'elle était plus sous haine, elle se sentait stupide, attardée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je l'ai jamais revue. On des machines. Mot croisé est un lettré, un acteur. Il a travaillé son effet, même si le demi-sourire qu'il affiche à nouveau n'a pas l'air satisfait qu'on pourrait attendre. Ça m'a rendu curieux, pas la disparition en soi, mais le fait que quelques mois à peine après sa mise sur le marché, on puisse en trouver aussi facilement. Et un antidote? Déjà? Même si les militaires n'avaient pas fermé le projet, où était la source? Des mots dont tu n'as besoin. Ni des questions, ni des réponses. Juste du moyen. Il parle. Je cherche pas un antidote. Soit vous en avez, soit vous connaissez des types qui en ont. J'ai de l'argent pour vous. Le reste, j'en ai rien à foutre. Marrant. Marrant? La haine ne fait pas planer. Au contraire, ceux qui en prennent sont très conscients des conséquences potentielles de son usage. Ça ne t'intéresse vraiment pas? Putain de joueur d'échecs. Bon. Tes fonctions mentales sont encore assez au-dessus de la moyenne pour surpasser 96% de la masse. On descend vers 93, 89. Alors bluff. L'antidote, c'est pour ceux qui se contrôlent pas. Mot croisé secoue la tête. Il ne sourit pas. Célèbre dernier mot. Il a l'air d'hésiter un moment, mais il se reprend. Je connais des gens qui pourraient t'en procurer, pas des amis à moi, c'est eux qui te contacteront. Tu hoches la tête. Enfin, tu te retournes vers la porte. Attends. Quand tu te retournes, il ne te regarde pas. Juste le sol. Juste le sol. On n'a toujours pas parlé à faire. Alice. Alice et ses idées. Alice avec ses rêves. Alice avec ses chiffres. Assise dans le coin, près de la table basse, elle me regarde. Ses yeux sont cernés, mais ils étincellent. Ils étincelleront toujours pour moi. Seulement, à ce moment, je ne saurais dire si l'éclat vient de ses sentiments ou de la dose qu'elle vient de prendre. Elle ne sait pas que je sais. La drogue la rend plus intelligente, plus perceptive. Mais l'ego qui vient avec n'imagine pas que j'ai pu deviner la supercherie, les capsules cachées. Alors, elle me raconte ces histoires de données qui ne matchent pas, comme si ça pouvait intéresser quelqu'un d'autre que la boîte pour qui elle travaille. Des histoires de statistiques, de chiffres, de colonnes et de cases. Et moi, la seule chose à laquelle je pense est ce bracelet polygraphe que j'ai acheté. Je croyais que vous n'aviez rien pour moi, que vous ne faisiez pas dans la drogue. Il hoche la tête, les yeux toujours sur le sol. Je t'ai dit, c'est de l'info que je deal. Et j'en ai qui pourraient t'intéresser. Alors finalement, vous savez où je peux m'en procurer? Non. Il se lève, mais ne te regarde toujours pas. J'aime à croire que je sais évaluer les gens. Et toi, tu ne sais pas mentir. Tes yeux se baissent sur le bracelet, toujours à ton poignet. Tu te lèves et lui montres. Il hoche à nouveau la tête. Oui, bien sûr, le polygraphe. Tout le monde l'utilise de nos jours. La police, les criminels, moi, je ne l'utilise que pour des raisons psychologiques. Toujours tête baissée, comme en pleine réflexion, mais ses yeux se lèvent et trouvent les tiens. Tu vois, une personne qui sait qu'elle ne pourra pas tromper la machine. N'essaye même pas. Parfois, les personnes désespérées tentent n'importe quoi. J'ai quand même passé ce test. En effet, il tend la main. Tu défais le bracelet, lui rends. Alors qu'il l'empoche, le demi-sourire revient sur ses lèvres.
Il ne te quitte pas des yeux. Et je t'en remercie. En échange, j'ai quelque chose. Une chose qu'un gars comme toi devrait trouver très utile. Une information très utile. Tu serres les dents. Et ce gars, vous devrez quoi? Des informations aussi? Le sourire de mots croisés s'élargit. C'est un vrai sourire, mais tu ne sais pas si tu dois aimer ça ou pas. Il sort le bracelet de sa poche et le fait pendre entre vous. Oh, mais je viens d'avoir de très intéressantes informations. Pause. Et si jamais l'idée d'antidote finit par t'intéresser, tu pourras toujours revenir? Le demi-sourire qui amène des questions, qui amène un 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 demi-sourire. Il sait. Putain, t'as été con. L'effet de la dose s'est dissipé trop vite. Mais tu sais ce qui arrive si t'en prends trop. 1, 2, 3, 4, non, 5, non, c'est 6, non, 7, non, 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 pas si t'en prends trop. Ce qui finit toujours par arriver. Le bracelet avait semblé être la solution. Seulement, elle avait menti. Elle en avait pris. Et le polygraphe avait vu que dalle. Face à la dalle, pub, clip, variété. Jamais de deck docs, jamais d'infos. Jamais de films non plus. Ces trucs te font ressentir des choses que tu ne veux plus connaître. Pourtant, chaque fois, tu regardes leur visage, tu regardes leurs yeux pour essayer de rester humain. Au moins, encore un peu. Au moins, encore un peu plus longtemps. Ouais, cette fois le deck a bipé, à nouveau. La même voix au bout de la ligne. Alors, tu veux toujours faire affaire? Oui, définitivement. Attention, cette fois, pas de coup fourré. Je t'envoie un contact et tu le suis sans question. Tu grognes. J'ai compris. Descends au 9e et attends. Jamais conduit d'affaires aussi bas. Au 3e ou 5e, d'accord, mais y a rien au 9e. Tu te fous de l'endroit. Tu argumentes pour argumenter. Parce que c'est ce qu'il attend. Exactement. Il répond. On sera tranquille. Tu es dans 2 heures. Cherche pas. On te contacte. Et il coupe. Les jardins suspendus. Dans la lueur verdâtre, je la vois. Elle me tient la main et je ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Tout ce qui compte est qu'elle va mieux. Mais aucun des chiffres ne correspond. J'ai essayé dans chacun des modèles théoriques, tout concorde, mais dès qu'on essaye de les appliquer... Oui. Alors soit les calculs sont faussés, soit c'est le modèle lui-même qui est en cause. Tu te rends compte de ce que ça implique? À ce moment, je n'ai aucune idée de ce qu'elle veut dire, mais je hoche la tête et je souris. Elle va bien. Elle va mieux. Et le reste n'a aucune importance. Nous sommes en bas, quelques niveaux au-dessous de notre appartement dans la ville haute. Dans l'oasis des jardins. En dessous, les terrasses de béton. Le reste du monde. Je ne suis qu'un homme dépassé, qui un jour s'était rêvé architecte, dans un monde où seule la fonctionnalité fait loi. Je gagne ma vie dans un monde où il n'est plus question de création mais d'aménagement. Mais ça ne fait rien. Alice est un génie. Il n'y a pas de honte à le reconnaître. Un génie avec une addiction. Mais j'ai trouvé la solution. Tu l'aimais. Elle est partie. De la haine à Alice. À la douleur. À la haine. 1, 2, 3, 4. Les ascenseurs publics ne descendent pas au-delà du 5e. Tu fais le reste à pied, sans Virgile. Au-delà des bas-fonds, là où les machines vrombissent et où la légende urbaine fait vivre des low-tech. Puis, rien, rien. Descendre dans les limbes dont le même fait de leur inhabitation les rend étrangers, inhumains. Il n'y a là que des lieux vides,
Un endroit dont le seul fait qu'il ait pu être habité lui donne la qualification de lieu, mais dont la vacuité remet elle-même en question l'existence en tant que lieu par opposition au vide. Le vide que tu ressens, toi. Tu sais que tu existes, mais ne ressens plus rien. La célèbre coque vide. Mais ne reste-t-elle pas même une coque et donc une chose? Es-tu seulement encore quelque chose? Quelqu'un, tu as abandonné. Existes-tu seulement encore? Le soleil gris. Les escaliers descendent encore. Où? Tu ne veux pas savoir. Un œil au deck, il capte encore. Malgré les éons de béton. Regarde autour de toi. Une large plateforme avec un couloir à gauche et devant et à droite. Un escalier démembré, un large espace au loin, sans aucune lumière. La seule vient de l'escalier derrière toi. Regarde autour de toi. C'est le moment. Tu chopes la dose de sa cachette et tu l'ingères. Nouveau regard. Rien. L'effet va comme... Éclair à gauche. Le gamin s'approche. Putain, si t'as vu la prendre... Non. Ses yeux semblent sans implant. Il sourit. Confiant. Pitié que j'ai pas à le tuer. Il est là. Il lève la main et cligne de l'œil. Hey, suis-moi, c'est par là. Tu lèves les mains de même et le suis. Des couloirs s'emboîtent, s'imbriquent. Un puzzle. Jusqu'à la table d'opération. Là où tu vas opérer. Excision. Le vieux est en blouse blanche. Il a un sourire équin en te voyant approcher. Et le jeune ralentit pas juste assez pour être derrière quand Herr Doctor vous remarque. Son sourire bouge autant qu'une rhinoplastie parfaite. Je vous attendais. Tu avances. Le gamin derrière toi, ses yeux sur le vieux en blouse blanche, les cheveux épars, comme s'il profitait de ta présence pour se cacher. Profiter d'un moment de répit de cette blouse blanche et de ses yeux jaunes. Les yeux jaunes se plongent dans les tiens. Le sourire photo bouge à peine lorsqu'il reprend et, quelque part en toi, tu plains le gamin. C'est une bonne chose. Ça faisait longtemps. Si tu peux plaindre un gamin, c'est que t'as pas complètement perdu ton humanité, non? J'ai pas le temps pour les frivolités. Si vous avez une arme, je vous remercierai de la déposer sur la table. Il n'a pas bougé. Les mains dans les poches de sa blouse, ce sourire et les yeux jaunes à te donner l'envie qu'il ait porté des lunettes. Sauf que non, pas maintenant. Tu sors le gun, du pouce et du majeur, par la crosse. Tu le poses sur la table. Ses yeux suivent l'arme. Quand il revient vers toi, il penche la tête de côté. Reptile. Mais c'est eu une vraie antiquité. Vous l'avez eu par héritage? Un verbeux. D'abord mot croisé, puis ça. Ok, je joue le jeu. J'ai jamais fait mon âge. Derrière toi, le gamin bouge un peu. Tu vois ses yeux sur le gun. Peu de chance qu'il en ait vu un en dehors des deck fictions. Ses yeux flashent un instant vers toi, puis il recule encore un peu dans l'ombre. Main dans les poches de sa veste trop longue. Trouée, sale, grise. Les épaules relevées comme pour noyer son cou dans le large col relevé. Tu peux rien pour lui. Dans quelques minutes, tu l'auras libéré de la crainte qui lui inspire le... De quoi? Le serpent. Le hibou face à toi. Ouais. Et il sera libre de se trouver une autre servitude et un maître peut-être moins effrayant. Peut-être. Alors tu le laisses à ton ombre et tu te retournes vers Herr Doctor. Je suis désolé. Il reprend. Yoko, mais pour l'occasion, je n'ai pas pu faire mieux. Tu hausses les épaules. On est tous là pour la même chose, non? Il glousse. À présent, dindon, oui. Définitivement dindon avec le gloître qui lui descend sur le col et ce grasseillement qui te donne envie de te racler la gorge à chaque fois que tu l'entends parler. Il glousse et hoche la tête. Oui, oui, c'est vrai. Et sortant prestement d'une poche de sa blouse l'incontournable bracelet,
se met à le tripoter avant de te le tendre, avec un air presque gêné. « Oh, je suis désolé, mais vous savez ce que c'est d'un jour ?»« Avec cette criminalité rampante, je suppose que vous connaissez ces machins ?» Tu hoches la tête en le prenant. Il continue. « Oh, pas de peine de l'initialiser, celui-là, hein ?» Si c'est ce que vous envisagez, c'est un nouveau modèle. Nouveau modèle. Bon, vous m'excuserez les questions de routine, on va faire vite, hein. Et puis, êtes-vous un agent de sécurité, parti de l'arbitrage, du conglomérat ou d'une quelconque corporation? Non. Bien, à présent... Comptez-vous d'une manière ou d'une autre attenter à ma vie, mes biens ou mon activité? Non. Bien, c'est bon pour cette partie. Je déteste les obligations protocolaires. Bien sûr. Il tape joyeusement des mains avant de lever un index à ses lèvres. Mais j'y pense. À part vous, connaissez-vous une personne nécessitant mes soins pour une dose ou si besoin cette... Antidote dont beaucoup parlent. Il sourit. Pas même un coup d'œil furtif au bracelet polygraphe que tu portes toujours. Il sourit. Les dindons n'ont pas de dents, mais les serpents, oui. Les siennes sont normales, même pas jaunes. C'est peut-être la chose la plus anodine dans sa personne. Mais son sourire. Il ne sait pas sourire. Il a remis les mains dans les poches de sa blouse. La blouse blanche. Non. Il hoche la tête. Même si en fait il est en train de la secouer de dépit. Son sourire ne s'élargit pas, des cornes ne lui poussent pas quand il tend à nouveau la main pour récupérer le bracelet. C'est à peine si ses sourcils se positionnent en accent circonflexe. Attention à ses mains. Une fois qu'il a récupéré le bracelet, attends qu'il envoie la marchandise. Sans doute qu'il enverra le môme la chercher avant de le renvoyer vers la surface. Tu peux en supporter quelques minutes de plus. Tu t'avances d'un pas, ôte le bracelet et lui tends. Il ne le prend pas. Il te saisit la main. Il la tient fermement. À la piqûre dans tes reins, tu n'as plus de pitié pour le gamin. Il a peut-être peur. Et t'es forcé. Ça ne compte plus. Désolé, mon ami. Air Doctor se penche encore. Son haleine te fait penser au goût synthétique des médicaments prétendument aromatisés aux agrumes de ton enfance. Ça ne durera pas très longtemps. Je peux vous le promettre. Tu tires à nouveau sur ta main, mais cette fois, il lâche. Le recul te fait vaciller. Une chaise, dans le coin de ta vision, tu la saisis. Elle est lourde, tes doigts glissent, tes oreilles bourdonnent et tu sens ton équilibre flancher. Tu serres les dents, mais tombes quand même. Au loin, une voix désarticulée. « Bon sang, je déteste ces moments où ils se battent !» Air Doctor s'avance et se penche sur tes paupières mi-closes. Ses yeux ont perdu toute affabilité. Bon, il dort pas encore, mais on peut le bouger. Allez, aide-moi! Le gamin essaie de te prendre les pieds tandis que l'autre te soulève par les épaules. Il leur faut plusieurs essais pour te mettre plus ou moins convenablement sur la table, après quoi Air Doctor se met à souffler bruyamment. Paupières presque totalement fermées. Un ray de lumière, des formes, des mouvements. Bras et jambes immobiles. Du plomb. Dans une gangue de béton, et non loin, l'inconscience. Fais-lui les poches! Entre deux exhalaisons. Et quand le gamin ne trouve rien, il tape du poing. Putain, t'envoies de camé, même pas de quoi payer! Et se penche et sur toi, secouant la tête. Au moins, on n'aura pas tout perdu. Au gamin, apporte-moi ma trousse. Avec un peu d'espoir, on pourra trouver dans son crâne de quoi faire une dizaine de doses. Plus proche. La conscience. Et derrière, l'obliteration totale. Thank you.
des chiffres ne correspond. J'ai essayé dans chacun des modèles théoriques de Concorde, mais dès qu'on essaie de les appliquer... Il y a un bruit qui court dernièrement. Un nombre de dealers de la substance que tu cherches a été retrouvé mort. Certains parlent d'un nouveau gang qui voudrait s'installer, mais les cargaisons volées ne sont jamais retrouvées sur le marché. La police est bien trop payée pour être responsable. Le demi-sourire de mots croisés est la seule chose de vaguement aimable à présent. Les yeux froids derrière les lunettes te jaugent. Alors qu'il est toujours assis et toi debout, tu peux le sentir baisser les yeux sur toi. Tu fais un pas vers lui. Et alors ? Et rien ? Il hausse les épaules. Je n'ai aucun amour pour ces types, alors si quelqu'un se mettait en tête de jouer le justicier, je dirais... Ainsi soit-il. J'irais même jusqu'à l'avertir qu'il n'est plus aussi anonyme qu'il le pense. Plus de sourire. Supposez qu'il soit averti. Mot croisé fait l'amour. Je pourrais pas faire grand-chose d'autre, seulement lui rappeler que ses jours de vengeur sont comptés d'une manière ou d'une autre. Droit dans les yeux. Mais ça, il le sait déjà. Je suppose que je te dirais simplement... Bonne chance. Alice au jardin. Alice dans l'appart. Alice, avec ses sourires, ses chiffres, son addiction. Mes mains sous l'eau, le rouge qui part. La brûlure de l'eau sur mon visage, le sang qui part. Le rouge qui s'écoule dans le maelstrom. L'eau rougeâtre dans le sens des aiguilles d'une montre en spirale toujours plus petite, le sang sur moi, sur mes vêtements, dans le salon, sur elle. Je ne saurai jamais comment elle a saisi le couteau. Un moment à son bureau, l'autre sur moi, le masque d'une harpie contre le mien. Quand elle s'affaisse, son visage ne s'adoucit même pas. Il garde ses traits de gargouille que j'emmènerai avec moi jusqu'au bout. Et des heures, sous l'eau bouillante de la douche, n'enlèveront jamais le sang de mes mains. Alice. Alice, je t'aime. Alice, je voudrais te retenir dans mes bras. Alice, j'ai mal. Alice, j'ai peur. Le gamin est parti quand j'ouvre les yeux. Enfin, je suppose qu'il est parti. À mes pieds, le corps de Herr Doktor, le crâne enfoncé par ses propres instruments de torture. Pas d'autres corps aux alentours. Pas beaucoup de souvenirs des dernières minutes. La furie, un rictus. Regarde-le dans les yeux. N'oublie pas. Seulement non. Ça fait... longtemps que j'ai perdu mon humanité. C'est juste que je n'ai pas encore perdu la raison. Et dans ce dernier éclair de lucidité, la question reste en suspens. Est-ce que je dois arrêter ? Est-ce que je peux arrêter ? Est-ce que je veux arrêter ? Un. Deux. Trois.